Serge Rodriguez. C'est une façon pour nous lier formel et informel, toujours pour nous faire plaisir, parce que c'est ça qui est important pour nous-mêmes dans VOA Creole. Merci d'être branché. Jodia, c'est mardi 9 avril 2024. C'est un jour qui vient après, un jour qui était absolument spécial et scientifiquement historique, parce qu'il y a une éclipse solaire totale. Éclipse solaire totale, ça, elle crée un pile sensation, un pile fantaisie, un pile déplacement, parce qu'il y a un pile monde qui déplacé en famille pour y aller côté pour être capable d'éclipse ça bien. C'est un moment tout de un pile et démarche scientifique, parce que pour faire lunettes, yo, son démarche scientifique, parce que gagne un gens pour faire les, gagne une façon pour faire les, gagne une méthode, gagne une recette pour faire. C'est ça qui fait tout que gagne l'autre monde tout qui essaie de faire lunettes, yo, mais yo pas bon. Et moun même et prend en pile précaution pour yo même pour yo capable et acheter lunettes qui bon. Donc c'était un jour spécial et bam dit non bagay. Gan pile moun qui de tout profiter de quelques minutes de éclipse solaire pour marier. Et donc c'est un pile bagay et nous connaît que tant qu'on te dit hier, il était passé par il commencé Mexique, il passé aux États-Unis et puis l'abouti au Canada. Et puis, gon l'autre bagage encore qui était très significatif en termes de démarche scientifique, eh bien, il était fait que aveugle, même si au pas kawel, mais qui était capable de sentir, gon appareil que fait pour ça même, le déplacement a fait, eh bien, gon bruit que le fait, gon son que aveugle, tendez, donc il pas vivre visuellement, mais il est capable d'expérimenter, il est capable de vivre même là, tout le monde, c'est une grande première. Et hier, nous t'es capable ouais Sandra Le Maire qui t'est parlé sous ça et Valérie Saint lui-même il était ouais aspect économique là. Grand pile monde, gain côté qui sold out. Ça veut dire gain côté ou pas qu'à joindre hôtel pour capable joindre place, gain côté tout ou pas qu'à joindre lunettes qui t'a vendre lunettes et spécial ou pas qu'à joindre encore tellement moun yo achetel parce que peuple américain, il con ça, il gon genre de sens familial comme si les gon bagaille déplacé en foule, yo déplacent en masse avec famille, avec amis et gen moun qui commande lunettes yo bonheur parce que yo te connaît éclipse ça t'a passé qui le l'a passé et nan qui date. Donc ça permet que yo préparé, gen moun qui gon question budgétaire tout, gen moun qui fait budget yo qui connaît que dans tel moment y a déplacé, y a dépensé tant comme pour famille yo. Donc c'était vraiment yon moment très spécial dans la vie planète là parce que grand pile l'autre côté qui yo même qui pas concerné géographiquement direct avec éclipse ça mais qui te fait des préparations notamment des pays en Europe qui fait que c'est en Espagne qui t'a regardé qui ça passer la France que fait des monde qui fait arrangement pour aller regarder l'ensemble et parce que la NASA tout gon rôle que l'a joué dans bas là la projeté image et puis il y a les médias aussi les grands médias internationaux et ben yo même il y a prend image chaque côté que yo passé par exemple les au Texas et ben les au Mexique les tout près Niagara Falls là et les au Canada donc fait moun yo même moun qui pas ka déplacer yo mais yo vivent li quand même à travers la télé et puis c'est ça tout ça monsieur sociologue le grand village. Ça veut dire yon bagay kap passe yon l'autre côté ou même ou on l'autre point ou gen en Asie, en Afrique, en Amérique, quel que soit côté ou ap vive bagay la, même gens avec n'importe l'autre monde qui yon même nan bagay la même. Bon, l'on a bagay la l'autre spécial, par exemple, et nous tap gade la, et Jean-Marc Hervé Abela tap pren image moun, et ben yon mette go conforteur, yon vina len, c'est comme ça nous la kay, yon vina len, zorye avec timoun yo, sandwich, barbecue. Donc, yon chache moment sa yo, pour capable vivre. C'est aussi le sens de l'amitié, le sens de la famille. Donc, hier, c'était un gros jour. Et je dis à tout, nan, à 4 heures, pour nous repasser sur quelques côtés qui te vivent éclipse solaire. Bah, qu'on est, et, m'tap parlé avec, m'tap essayé, ouais, si m'tap joué quelques réactions, tout, qui vient pays d'Haïti te vivre, li, parce que nous, avons protection civile. Et puis, l'autre média, tout, t'es dit, moun, pour prendre plus de précautions, pour être capable de protéger les yeux, parce que, eh bien, équipe ça capable de gagner un effet néfaste sous vision. Donc, c'est en gros. Pendant ce temps, politique a lui-même, actualité politique a pas chômé. Et conseil et présidentiel de transition lui-même l'a essayé et campé. Faut dire que dans le moment, on a parlé là officiellement. Pourquoi on gagne qu'une instance officielle qui parlait de conseil présidentiel de transition? Bien que conseil là lui-même,
li commencer à travailler, li commencer à faire des démarches, documents pour la rue, mais jusqu'à présent pour qu'on gagne de formel et gon itinéraire même gon route pour faire pour arriver dans cette question formelle là. N'a pas rappelé pour l'histoire que c'est le 11 mars, yo lundi, et pendant que tu gagne yon gros réunion d'urgence qui t'a fait dans CARICOM, c'est même lundi ça tout. Et nous t'ai gagné Valérie Ocelle qui était sous place dans Jamaïque, côté que CARICOM n'a pas réuni, et puis c'est président Guyana, qui lui-même c'est président CARICOM tout, et qui lui-même t'es là, et puis t'es gagné Anthony Blinken qui t'est partagé et leadership réunion. Donc non seulement Anthony Blinken, mais t'es gagné plusieurs autres autorités américaines qui étaient présentes dans la réunion. Ça veut dire que son réunion qui t'est gagné en pile importance pour la communauté internationale là, les que et CARICOM là, et puis le Anthony Blinken, c'est chef diplomatie américaine présent, s'il voulait, il y a une signification pour moun kap analyser au doux que ça gagne une grosse signification. Et c'est dans même lundi ça tout, qui était 11 mars, que premier ministre Ariel Henry annonçait que l'a démissionné. Il y a qui fait des tignons là-dedans dans la question de est-ce qu'il démissionné, est-ce que l'a démissionné, mais n'a pas retenu nous-mêmes comme journalistes, le 11 mars, eh ben, on enregistrement dans une vidéo pré-enregistrée, et bien, le Premier ministre Ariel Henry dit que lui annonçait que l'a démissionné et lui d'accord que le gouvernement l'a dirigé à d'accord pour aller à l'école pour un conseil de transition. Nous connaissons toute tractation qui fait et moun sorti, moun allé, moun te qui te fin prend, moun pas d'accord. Mais finalement, il y a gagné 9 membres, 7 membres. Avec deux membres observateurs, eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de vote. C'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc, d'après accord qui joint avec entité qui est dans conseil de transition, parce que CARICOM a besoin d'accord, eh bien, selon accord ça, et a un conseil de transition qui a fait 22 mois et a pour le remettre pouvoir par un président démocratiquement élu le 7 février 2026. Il y a des gens qui ont fait un rapprochement entre ça et le Premier ministre Ariel Henry Tédia, qui était lié un petit appel de février 2025, qu'on y a bon 2026. Donc, document qu'on y a, d'après information qui vient de joindre nous, et ben document qu'on y a, lié à joindre CARICOM, et CARICOM a supposé acheminer le bail Premier ministre Ariel Henry pour les formalités d'usage et légal, ça veut dire pour le publier dans le journal, journal officiel pays, Le Moniteur. Et là, ça, il est capable de parler d'investiture et installation. Faut dire que le conseil de 9 membres, ça, avec 7 votants et 2 observateurs, eh bien, il y a même, il y a une mission qui est très spéciale. C'est, il y a marché en direction vers des élections démocratiques, libres, et crédible. Donc, première tâche, conseil et présidentiel de transition, l'a bien pour choisir un premier ministre. Et premier ministre, lui-même, a en collaboration avec conseil là, pour choisir un gouvernement, ça qui a dirigé le pays vers des élections démocratiques, tant qu'on dit libre et crédible, selon accord. Et un grand membre qui ni dans conseil là, ni dans le gouvernement, pas bien droit ou même participer dans la prochaine élection dans le pays. C'est ça, il dit, dans notre ça, dans l'accord, ça, il joint. Et ces négociations, ça, nous connaît que c'est CARICOM qui, et ça fait, et là, on a parlé de tout, il a parlé de CARICOM, il a parlé de cours de cassation, et il a parlé de, par exemple, de congrès Wanamet, qui, lui-même, lui pour CARICOM et tout. Nous pas qu'à ignorer tout que gagnait monsieur Guy Philippe. Et dimanche matin même gagnait une équipe qui a une conférence de presse en parlant de Jean-Tel Joseph qui dit lui-même prochaine étape là c'est prendre le palais national. C'est ça le dit dans une conférence de presse. C'est pour dire que gagnait plusieurs positions, gagnait conseil présidentiel de transition hein, avec tout CARICOM et les États-Unis aussi et puis l'autre puissance et amis d'Haïti qui eux-mêmes derrière CARICOM avec pas derrière CARICOM non derrière conseil présidentiel de transition hein. Et puis nous connaissons congrès Wanamet avec un pilote moun encore pilote homme politique yo voulait que c'est un coup de cassation pour aller parce que dit que dans histoire pays d'Haïti coup de cassation bail plus résultat que
yon lot on conseil, parce qu'un ingénieur dit qu'en général, conseil yon toujours passé mal. Et nous te capable, ancien député Serge Jean-Louis, qui lui-même, li pour cours de cassation, parce que yon songe que yon te prend Erta Pascal Touyo, qui te organisé des élections, que yon quoi, qui te crédible, qui te honnête. Donc, yon prend comme exemple, comme modèle, pour dire que, eh bien, c'est un modèle là pour t'a choisi, au lieu que pour aller dans le conseil et présidentiel de transition. Donc, conseil présidentiel de transition, lui-même, il y a trois priorités. Selon toujours document ça, bien que conseil a été, c'est des membres, futurs membres, parce que pour qu'on gagne, légal qui scellé et choyant. Donc, c'est sécurité, parce que, dans le moment, on a parlé là, un problème de sécurité grave en Haïti, parce que monsieur a boulé, monsieur armé, il a boulé, il a craché, il a fait tout ça qui n'est pas bon, il a crasé des symboles, pas seulement des bâtiments. L'or crasé JB Damien, c'est un symbole. L'or petit séminaire Collège Saint-Marsal, Collège Bird, Enart, Bibliothèque Nationale, et l'Hôpital Général, Stade National, là, Stade Silvio Cator, c'est des symboles que, pas simplement des bâtiments, mais c'est l'histoire du pays. Donc, monsieur, continuez à couper, à pracher, à semer la terre dans le pays, surtout dans la capitale. Donc, il dit premier mission que conseil présidentiel de transition, c'est, eh ben, c'est question sécuritaire. Deuxièmement, il y a pour faire réforme constitutionnelle et institutionnelle. Ça veut dire institution, dans le moment où on a parlé de l'administration publique, presque pas de travail. Et donc, institution, il faut remettre au campé. Il n'y a pas même un bâtiment encore, parce que, par exemple, commissariat écrasé. Donc, tout ça, il faut remettre au sous-pied. Et puis, question institutionnelle, là, tout constitutionnel a toujours gagné. Question et réforme constitutionnelle, et nous connaissons la constitution, grand pile monde qui dit faut changer, faut passer mais là donne tout ça. Donc il y a bien pour le travail. Accord politique là annoncé tout, création ça relé un Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité a qu'est-ce qu'a la donne, c'est des experts qui bien pour superviser et accord. C'est ça qui a un rapport avec l'aide internationale en matière de sécurité. Notamment, nous connaissons que nous parlons pile de Kenya, il y a une force multinationale qui pouvait bailler soutien à la sécurité dans le pays. Eh bien, a gagné ce Conseil national de sécurité, qui a gagné expert là-dedans, expert a supervisé tout accord qui a un rapport. Tout accord qui a un rapport avec question de sécurité dans le pays d'Haïti, surtout au niveau international. Donc, c'est on mise à jour que nous fait plus ou moins historiquement de côté de démission. Premier ministre Ariel Henry, qui lui-même, d'ailleurs, annonce démission, Premier ministre Ariel Henry, et Abela dit, annonce. Et c'est vrai, c'est ça, le 11 mars, que Premier ministre Ariel Henry fait, lui annonce que l'a démissionné. Donc, jusqu'à présent, il fait annonce ça, mais pourquoi il y a de formel qui dit que il démissionné, et jusqu'à présent, pourquoi il y a installation, ni investiture, conseil présidentiel de transition. Donc, ça veut dire que c'est là que nous y est toujours. En Haïti, toujours, eh bien, la police l'a mené opération, et notamment, il y a une opération spéciale que l'a fait, dans le moment, n'a pas là. L'a essayé de contrôler toute périphérie, tout périmètre aéroport international. Nous songez que nèg armé, on pas veut dire vivre ensemble parce que yo gen doit monsieur vivre ensemble yo réuni yo c'est des groupes armés avec en tête li le ce fameux et Jimmy Cherizier alias barbecue mais capable gen l'autre tout que nous pas connaît. Donc c'est ça qui fait que nous plutôt dit et bandi armé. Yo attaqué plusieurs fois aéroport international là, yo attaqué tout plusieurs et fois palais national et il y a été grand pile coup de zame dans périphérie et champ de mars là qui tournait yon champ de le champ de Mars, pas comme c'est Mars et la guerre, mais son champ de quelque chose qui n'est pas agréable parce que grand pile coup d'âme qui tire. Donc, dans le moment où on a parlé là, la police a mené une opération dans la zone, aéroport, tout ça, l'ouverture là, pour y avoir un paquet de tikaï qu'il a crasé. Et nous voyons, et correspondant nous, qui ont même pas voulu, la police n'a pas voulu prendre image, donc, quand même, n'a venu à 4 heures pour nous boire plus. Et précision sur lui. Donc, en gros, c'est la situation Haïti a avec crise politique, crise économique, toute bagaille qui gagne la donne, problème manger, problème ici et là. Donc, tête charge. Dans l'international, là, on nous garde élection, pas bon ici, élection, nous connaissons 2024, là, c'est année électorale ici aux États-Unis.
Là encore, pour qu'on gagne un bagage officiel qui dit que Joe Biden, c'est le candidat du Parti démocrate et ancien président et Donald Trump, c'est candidat pour le Parti républicain. Mais logiquement, parce que Joe Biden a remporté les primaires et Donald Trump a remporté les primaires en Parti républicain, mais gagne un protocole, un itinéraire, gagne une culture dans la politique américaine. Nan, et dans la culture électorale, il y a une convention pour le fait pour dire officiellement, nous choisissons un tel et tel pour représenter le parti. En attendant, il y a une campagne qui a fait. En attendant, il y a un petit wash, il y en a voyé sous l'autre. Et dernier en date là, c'est la position ancien président démocrate Donald Trump, qui lui-même joue aujourd'hui. Parce que le Parti républicain, il y a deux principales partis, le Parti républicain et le Parti démocrate, il y a chaque pour un bagaille. Il y a un CSAO en anglais. Pro-choice, ça veut dire parti démocrate, là, pro-choice, là, c'est la question avortement, dilatation. Il dit que lui-même, lui, a le droit pour le monde choisi. Est-ce que, ou enceinte, dans une condition qu'on parle, il y a bon droit pour retirer le monde? Parce que il y a bon choix. C'est ça, en anglais, pro, en faveur, choice, choix. Donc, lui-même, lui, d'accord avec ça, avec choix, monde, qui a le porter le monde, maman, ça, qui estime que, si mon a fait dans la condition que lui-même n'est pas voulait, c'est pas l'idéal, eh bien, la partie démocrate, là, lui-même, lui croit qu'au dos, bah, il a un choix pour lui capable de décider de Timoun ça, de fœtus ça qui en dans votre. Donc, ça toujours dans la campagne électorale, ça toujours dans la politique la même, et en opposition à parti républicain, lui-même qui pro-life, même j'ai encore, pro en faveur, life, il est d'accord avec la vie, quelle que soit condition il y a. Il n'est pas d'accord avec avortement, il n'est pas d'accord avec dilatation. Quand il y a ça qui vient pigo ba là, c'est que c'est connu, son bagage déjà établi, parti républicain lui-même, il pro-life, il en faveur de la vie, quelle que soit condition. Mais candidat éventuel, en parlant de Donald Trump, lui-même, il dit que le pas croit que doit interdire avortement, dilatation dans tout pays. Il dit que il croit que c'est chaque État qui peut prendre décision pour contre lui. Si vous voulez pour life, si vous voulez pour choice, et, donc ça vient faire un gros tollé. Parti démocrate, parti républicain lui-même, il n'est pas d'accord parce que ce n'est pas position. Yo. Donc, il n'est pas d'accord. En pile, il y a quelques leaders dans le parti républicain qui n'est pas d'accord avec la déclaration. Ça. Pendant que Joe Biden lui-même, le démocrate lui-même, lui font moquerie avec ça. Pour le dire qui gens que eh ben son président ou l'aime des boy on l'aime bon bagay on l'aime pas bon bagay. Donc c'est pour mettre dans ambiance électorale américaine nous dans américaine nous dans mois d'avril nous connaît que VOA a sous place a bien convention chaque pays chaque parti a pour faire convention yon côté et VOA créole a toujours sous place. Donc c'est mettre dans ambiance électorale là. Maintenant ambiance électorale là tout il y a pour parler tout de politique internationale. Politique internationale, de immigration, et on pourra parler tout, et on déjà parler de question guerre israélo et Hamas là. Parce que ça, comme mon petit Jean hésité, parce que, en général, on parle de guerre israélo-palestinien. Mais cette fois-ci, il est plus ciblé, il n'est pas palestinien, mais plus Hamas. Et ça fait que grand pile monde qui dit que, et gros bagaille qu'a fait, monde qui a fait de mourir dans Gaza, il dit tout le monde qui est dans Gaza pas Hamas. Donc, dans le moment où on a parlé là, et Israël font un retrait, l'armée israélienne font un retrait dans Gaza, mais dans le même moment tout, que c'est Galante, que c'est, et qui c'est le ministre de défense là, et que c'est pour le ministre là, Benjamin Netanyahu, lui-même, il dit, il a préparé pour une opération dans Rafah. Et Benjamin Netanyahu dit comme ça, lui-même, il n'est pas trop loin de l'objectif là, pour effacer totalement question Hamas là, sous la terre bénie, dans le Proche-Orient, mais sous la surface de la terre. Et il dit que il n'a pas réalisé ça, ça n'a pas fait opération Hamas là. Et il y a un pilote et instance, notamment les États-Unis, notamment Nations Unies. Washington tout dit que ça pour erreur si Netanyahu décide de faire mener opération ça, non, Rafah. Donc, en situation que nous avons suivi pour vous, et puis nous avons noté tout que, l'information, c'est pour la première fois que Israël utilisait un système de défense antimissile dans la mer pour descendre un appareil. Excusez-moi, téléguidé qui a sorti dans la mer rouge là, et qui vient avec une sirène. Donc, ça, c'est technologie de guerre. Donc, c'est pour montrer que, Israël lui-même, il continue à améliorer le système.
c'est un gros allié les États-Unis, mais nous connaissons la politique là tout, gagner les Palestiniens, moun kap di et qui a critiqué l'administration Biden pour position, pour quelque position ni soutenir et Israël trop. Donc ça veut dire que leur président des États-Unis ou tiraillé ou déchiré entre moun Palestinien kap di ki jan que l'administration Biden trop soutien à Israël, mais Israël tout c'est un gros allié les États-Unis. Donc ça on tient compliqué, c'est monsieur spécialiste en sciences politiques qui a expliqué nous tout ça. Et puis gon l'autre information encore dans actualité internationale là, et ben gen la Turquie jodi madia qui imposé sanctions commerciales sous Israël, et ça qui affecte un paquet de produits que yo gagné après que Israël décidé pas faire vraiment on cesse le feu dans Gaza. Restriction ça yo gen rapport avec commerce dans 54 catégories. Et dans catégorie ça ou joine fer, ou joine acier, ou joine ciment, ou joine gaz pour avion, carburant pour avion et en pile l'autre engrais. Bon moi prendre pour nous. Donc c'est restriction ça yo que et la Turquie prend compte et Israël nous connaît président la Turquie a et Erdogan Recep Tayyip Erdogan, eh ben lui-même il a tête baï ça. Donc c'est 54 catégories, mais là dans catégorie ça y a des éléments qui très importants tant que fer, tant que acier, tant que ciment, tant que gaz avion et puis l'autre engrais tout. Et Israël réagit, ministre israélien affaires étrangères là en parlant de Israël Katz, eh ben il dit que ils ont même engagé pour répondre par des mesures et parallèles contre la Turquie, mais ils ont affirmé que ils ne peuvent pas utiliser la violence avec l'extorsion par rapport à la décision que la Turquie prend. Et puis il y a États-Unis qui pourra le voyer ambassadeur dans le pays et ambassadeur dans les Nations Unies et il pourra le voyer dans zone et Corée n'a retourné avec plus et détails sur ça. Donc en gros, c'est ça nous te gagne pour dans détente ça live tout chaud et nous te gagne dans détente ça, n'a gagne Jean-Robert Pita qui vient avec on l'a détente pour nous capables qu'embo informer de ce qui a passé en Haïti et à l'étranger. Nous t'ai parlé d'hier de d'un scandale diplomatique qui gagne entre Équateur avec Mexique, sont questions qui devant et Nations Unies. Donc n'a gagne tout ça pour nous et pas oublier et suivre Serge Rodriguez dans et par contre qu'il est là Serge Rodriguez dans tout à l'heure à 12h30 et puis et suivre toute plateforme nous parce que gain information ou capable joindre pour faire comprendre actualité à au niveau Haïti et au niveau international. Merci pour attention nous. Moi c'est Jacqueline Belizère, m'te gain support technique de Jean-Marc Hervé Abela avec tout soutien toute l'autre équipe là qui